Oh, salut Eda, comment ça va? Un moment qu'on t'a pas vu. Alors, il y a même Letaria, il y a Topo qui arrive. C'est génial, on va pouvoir y aller tranquillou. Comment vous allez tous? Coucou Darky. Comment il va Darky? Vous m'entendez? Il n'y a aucun souci? Ouais, ça a l'air. Eh ben ça va nickel, regarde, je suis dans un bateau en pleine alerte. Bon bah alors, qu'est-ce qui t'est arrivé là? Ton stream détente, c'est super. Ok, let's go. Je sais plus trop où je dois aller moi. Poursuivre Evelyne. Oh merde. Il vise upstairs. Alan. Alan, où es-tu? Let's go. J'ai cru que la porte s'ouvrait, j'ai eu trop peur. Ah non, c'est pas ça du tout. Ah, ça c'est cool. J'aime bien. J'apprécie. J'apprécie, j'apprécie. J'ai pas beaucoup de balles par contre. Bon, ça commence. Mycomorphe de mes deux là. On les entend pas en plus, ils sont horribles. Je peux pas m'en débarrasser de ce truc. Le vomi d'Evelyne là. What the fuck? J'entends des portes qui s'ouvrent là. Ok, je sens que j'en avoir besoin de ces trucs. Bon, du coup, où est-ce que je vais? Est-ce que j'en viens d'ici? Ouais. Oula. Thank you.
Ok. Je peux ouvrir ici du coup ou toujours pas? Est-ce que je mets une bombe? Non. Bah c'est chiant du coup. Ah. Ouais, j'essaie de savoir où je suis parce que... Ok... Est-ce qu'on monte? Putain, les canettes, elles me font trop peur. Ah, ça y est. J'ai le marqueur. Ah, mais c'est ici qu'on a vu la télé et tout. Ça pue de ouf. Comment es-tu arrivé ici? Oui, mais... Elle est hors de contrôle. Sans les traitements, elle se détériore. Foutu pour foutu, je préfère crever maintenant. Ne dis pas ça. Elle se détériore. Elle te fait confiance. Cette petite garce m'a jamais... Oh non, attends. Evie, non Evie, Evie. Alan, je voulais pas, t'as fait comme ça. Elle Evie. Essaie de prendre je le pas. Contrôle. Non, je voulais pas. Tu dois la combattre. Est-ce que je voulais... Bon. Eh ben... Alan... Il n'existe plus. Evelyne, arrête! Arrête ça tout de suite! Vous êtes malade! Dégueulasse. Alan n'est plus. Oula. Et Mia non plus. J'ai l'impression. Je peux cliquer ou pas? Ah. Ça marche pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Gastro-explosive. Salut, Telnet. Comment ça va? Mais pourquoi elle parle à Ethan? Tu avais raison. Ah, c'était déjà son mari à l'époque. Et genre Alan, c'était juste son collègue. Ok. Tout ce que je peux dire, c'est que si tu as ceci. Reste à l'écart. Oublie jusqu'à mon existence. Et sois heureux. Désolé, je réponds à Letaria qui m'écrit en même temps. Pourquoi elle m'écrit à part? Pourquoi elle écrit pas ici? Si tu as ceci, fonce dans le tas. Fonce dans le tas. Bah écoute, ça va très bien, Little Nut. Oh putain, j'ai eu peur. Fin de bâtard. Déco le retour. Ah.
stink. Putain, il m'a fait peur le truc à courir là. Non, elle est pas morte, elle est juste, j'allais dire aveugle, le truc a rien à voir, inconsciente. Tombée dans l'eau, rend aveugle, exactement. Tu te souviens maintenant ? Ouais, je me souviens que j'ai pas beaucoup de vie. Je me souviens. Est-ce qu'on peut être une famille comme avant ? Non, Evie. On ne peut pas être une famille. On n'a jamais été une famille. On ne sera jamais une famille. Alors, j'ai plus besoin de toi. Putain. Ah, merci pour le point de sauvegarde, c'est sympathique. Bon. Ah oui, c'est vrai, on est à poil. Ah, c'est la chaise qui fait du bruit, putain. Mais rangez votre chaise quand vous partez, putain. T'avais pas un couteau, toi ? Non. Mais, à quel foutu moment tu dis non à une gamine avec des super pouvoirs ? Non mais grave. Ok, j'ai pas compris. Ascenseur ou tout droit ? Ah, l'ascenseur va me permettre de monter. Est-ce que là-bas je vais pas avoir des items ? Ah, mitrailleuse. Munition de mitrailleuse. Ouais, on est d'accord que l'ascenseur c'est pas ouf. De toute façon, je peux pas passer par là. Okay. Bon, bah, l'ascenseur alors. Pour redescendre, pour remonter, j'imagine. Je n'aime pas cet endroit. Peut-être que ça marche encore. Ça pue. Ethan. S2. Caméra 5. Il y a un truc qui arrive. Okay. Je l'entends arriver. J'entends grincer. Ouais, elle était sûre. Putain. Putain. Putain d'hallucination. Où est-elle ? Ça y est, j'ai mon cœur qui s'emballe là. Oh. Ils font des bruits bizarres les portes ici.
Mais putain, je veux parler librement dans le chat. Vas-y, Darky, tu peux l'autoriser, s'il te plaît. Je vais faire des blagues de merde en paix. Putain, j'ai pas envie de descendre. Oh, une bombe. Le pauvre. Il peut pas parler. Du coup, c'était quoi la blague? Plan du navire. Ouais, ça me fait une belle jambe, tiens. Clé en croix. Oh! Il me faut un objet. Je peux faire ça juste? Putain. Non, mais il y a une mitrailleuse en fait là-dedans. Quel beau paysage. Bon. Bon, serais-je Keblo? J'entends des trucs qui font des cliquetis en plus, j'aime pas du tout. Putain, mais... Voilà, je désactive cet enfoiré, parlez comme vous voulez, mais attention quand même. Tu penses que je mets la bombe en bas? Mais non, ça va me la faire gâcher. Oh, ce serait débile. Voilà. J'en étais sûr. Non, il y a autre chose à faire, je pense. Bon, je pense que ça aurait rien changé. Hein. Le fait qu'on puisse la perdre comme ça, la bombe, je pense pas que ce soit la solution. Je vois que ça pour le coup. C'est vous qui êtes bidon. Allez. On peut se faire chier à prendre là. Ok. Non, 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 non. Il y en a un derrière. Tu peux monter, s'il te plaît. Oh putain. Non, non, je fonce pas dans le tas. Je vais sûrement devoir y aller, de toute façon, mais... Pour l'instant, on va aller là. Je les entends beaucoup trop, putain. Ah, je les aime pas, ces bâtards. Putain de fils de pute. Ouh, c'est comme un chat, ça demande des câlins. Quoi?
Non. Awesome. J'aime pas les endroits inexplorés. Oh. Oh. Ok, cool. Flou, c'est un peu un Stormtrooper des fois. Ouais, clairement. Avec la panique. Bon. On a des bombes, c'est cool. Réfectoire, on n'a plus qu'à y retourner. Fils de pute. J'ai rien qu'on me donne la mitrailleuse maintenant. Ça c'est cool, je n'ai plus de... Ferme-toi. De l'herbe. Le bon sens des trucs là, c'est une blague. Ah non, faut les mettre dans le bon, dans ce même sens que. Ok. Oh, du corrosif. Ok, ça y est, je suis en sueur, c'est cool. Du coup, dortoir, il y avait une porte avec un... Alors, je veux bien pour la magie du jeu, mais on en parle de cette sécurité bidon. Ah. Oui, j'avoue. Ok, encore des bombes, ça c'est cool. Clé de l'armoire du capitaine, ça c'est cool aussi. Ok. Bon, on va retourner dans la cabine du capitaine. Quoique, on peut aller encore dans la cabine d'invité, on va aller voir vite fait. Oh! Il était temps, hein. Division des opérations spéciales, directeur de Fred Vincent. Ah, ça, on l'a déjà vu du coup. Ok. Oh, yes. Ok. Ok, là, il y a un point de sauvegarde. Ok. Ouais, j'ai bien envie de me heal. On va peut-être attendre. On verra quand on sera en combat. Salut Flou, de passage un petit peu pour te passer bonjour, j'espère que ça va. Bah salut Clubart, merci de passer, c'est sympathique. C'est très très sympa de ta part, et toi comment tu vas? C'est déverrouillé. Ah.
Ouais, mais moi j'aimerais bien retourner dans la cabine du capitaine. J'ai vu l'ascenseur, j'ai perdu l'ascenseur. Ça va très bien, normal, j'avais dit que je viendrais, donc je viens. Eh ben écoute, c'est très très sympa de ta part quand même. Bon, la lampe, ça se... J'avoue, je suis un peu concentré là parce que genre mon cœur me lâche toutes les 5 minutes. Mais ouais, on va dire que ça va quand même. Oh, le fils de pute. C'est bon. Barré où? Merde le jeu, putain. Bon courage alors, ça crée jeu pas mal de frayeur quand je l'avais fait. Ouais, je suis en train de... Ah, je peux même pas ouvrir la porte du coup. Il est con. Bon. Faut juste pas que je les gaspille trop non plus. Ouais, grave. Mais non, je ferme la porte, petite bite. Oh. Bon, Ah, je me ferais bien comme ça. Bon, je vais attendre avant de faire quoi que ce soit. On va redescendre. Il faut que je récupère des fusibles là, c'est ça? Pour pouvoir descendre tout en bas. Quoi, quoi, quoi? Putain, je sais pas où ils sont là, par contre. Il est parti où? J'y vais. Allez, j'y vais. Pas de tes conneries. Ah putain. On connaît ici, hein. C'est où on était à poil sans rien. Tu ne crains rien, je ne crains rien. Bon bah si je crains rien, si Clubart le dit, c'est que je crains rien. Tu m'excuseras, je suis quand même pas hyper rassuré. Qui court derrière.
T'as pas loupé un sac ou un truc comme ça dans l'autre pièce? Non, c'était un gilet de sauvetage. Ah, Yassi me donne des munitions. Sac à dos. Corif, ça c'est cool. Des bombes. Quoi, je sens que je vais en avoir besoin de toutes ces bombes là. Alors, toujours pas de fusil par contre. Non, t'inquiète, moi aussi je croyais que c'était un sac à dos au départ. Je crois qu'il va falloir que je descende. J'aime pas du tout l'idée. Réserve. Il y en a un derrière le mur là. C'est de la bombe, tes loot. T'inquiète pas, le jeu ne te donne jamais des choses sans en avoir besoin après. Oui, ça c'est sûr. Ah. Ça, je peux le récupérer. Mais attends. Non mais... Oh la panique. Il y avait quoi dans cette pièce? Il y avait juste les escaliers. Sauvegarde, c'est toujours bien. Moi je dis tu fais le prochain couteau. Non. Non merci, désolé, je... J'ai pas envie. Je suis un gros lâche, mais je m'en fous. Monter. Ah oui d'accord, alors... Bah ouais, si en fait. Le câble est complètement grillé, on en avait un de rechange, mais on a dû l'utiliser pour réparer quelque chose à l'infirmerie du 3ème. Tu vas devoir demander au docteur Waddell. On a besoin de moi en bas pour la salle des machines numéro 2, mais je ne peux pas descendre tant qu'on n'aura pas fait fonctionner ce machin. Ok, alors du coup le fusible il va là. Et là il me faut un câble et c'est au 3ème. On est où là? 2F. Et il dit que c'est dans l'infirmerie. Il en a déjà tué 3 ou 4 au couteau au début du jeu, ça suffit. Non mais grave, c'est ça, et puis c'était même pas des trucs rapides comme ça. Donc je préfère éviter. Désolé. Putain mais lui il frétille encore quoi. Oh, ça a pas la tête. Ok, les escaliers sont tout au fond là-bas. Alors ce qui est cool, j'apprécie beaucoup, c'est que les mobs ne repop pas, et ça, j'en suis très reconnaissant. Ceci en a des munitions limitées, et que les mobs sont illimités, c'est pas ouf. Alors, infirmerie, m'ont dit. Ah oui, ici. Poste de sécurité, ok. Désolé, je re-sauvegarde parce que... Hein. Je sais pas pourquoi le son de ton stream s'est pas déclenché, j'ai pas tilté que tu avais commencé. Sérieux? Pourtant t'étais dessus. Enfin, je t'ai vu en tant que spectatrice. J'aurais pu monter là, ok. Tout à fait. Ah oui, la fameuse porte. Qui était bloquée tout à l'heure, du coup. Ah! Allez, dédicace. Le fail. Attendez, je me bois un petit peu d'eau. J'arrive. Allez.
bah let's go. Hein. Pourquoi elle veut pas? J'imagine que ce sera pour revenir. L'intention était là. Alors, d'où est-ce que ça va sortir? Oh. Je vais... Oh putain. Non, non, c'est une blague. Hyper sûr de moi, mais... Oh, putain. Ok. Comment je t'emmerde, le jeu. Elle m'en mettait pas un deuxième, hein. Ça va pas le faire. Faut que je reparte dans l'autre sens, c'est une blague. Putain, ils ont fait une porte, ils l'ont juste bloquée. Vraiment des bâtards. Bon, ok. Je sais pas si c'était too much, peut-être qu'il en fallait que deux, mais je sais pas. J'ai failli en mettre une quatrième, donc tu sais. Rien n'est too much avec ces bâtards. Il me semble que deux, ça ne suffit pas pour le tuer, mais selon ça. Ouais. Ouais, mais trois, c'est toujours un bon chiffre, en fait. Agressif avec ce pauvre... Non, c'est un bâtard ce jeu. Quand t'as des doutes, toujours 3. Ouais, exactement. Ah, je peux ouvrir ça. Ah, super, une pièce antique. Ça me fait une belle jambe. Les nerfs à vif? Non, pas du tout. Je t'emmerde. Mais tout va bien. Encore plus bâtard. Et madame, elle en pense quoi? Madame, elle est dans son bain ou au chaud sous la couette? Donc tu sais, elle est même pas dans la même pièce. Je vais mettre pause, faut que j'aille aux toilettes. A tout de suite. Alors si elle vient me zioter des fois, si peut-être, mais en tout cas elle est très, très discrète, parce que je l'ai jamais vue.
Il a trop perdu le jeu, c'est pour ça qu'il a besoin d'une pause. Non, non, j'ai juste eu envie de. Je suis une vraie fontaine, donc. Ah là là, bande de petits bâtards! Je vous emmerde. J'ai tout ce que j'ai à dire. Allez, let's go, S2. Allons chercher cet incapable de Ethan. Il attend. Putain. La vie intime ne regarde que toi. Ben ça va, c'est juste ma vessie. Bon. Fils de... Putain, pourquoi je me suis retourné? Des xénomorphes. Ouais, ceux-là, là, ils sont horribles. Ça m'a fait peur, la musique. Ok. Oui, et moi, je te parlais de ma vessie. C'est pas tranquille. Ah non, j'aime pas cet endroit. On a beaucoup de bombes là, c'est cool. Ok, la musique a décidé de me faire flipper. Tant qu'il dit pas que madame est une fontaine, on n'a pas trop à s'inquiéter sur sa vie privée. C'est clair, Eda. Totalement d'accord. Waouh, waouh, waouh. Oh non! Putain. Oh non, la loose. Oh non! J'ai perdu toutes mes bombes. Putain. Bon. Et ben j'espère que c'était le dernier qu'on verra, parce que... Le petit troll du jeu, mais grave. Si tu prends une autre arme, tu veux recharger, ça fait péter les mains. Je trouve ça trop débile. Putain, encore une pièce antique. Putain, calme-toi la musique, s'il te plaît. Pourquoi elle jouit sinon? Ah, merci. Deux, c'est le minimum. J'aime ce son. Ah. Bon. Vas-y, dis-moi. Ethan. Bon appétit, Tonnet. Régale-toi bien. Ethan. Pff, je suis fatigué. Ethan. Et je sais. Je vais pas te faire de mal. J'aurais jamais fait ça si j'avais pu me contrôler. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas un tueur.
ni Marguerite, ni mon fils Lucas. Zoé non plus, évidemment. Cette fille, Evelyne, c'est elle qui a fait ça. Qui est-elle? Et qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle nous a infectés avec son don. Et c'est comme ça qu'elle l'appelle. Coucou Casino Tank. Je l'ai trouvée près de l'épave d'un pétrolier dans le bayou. Je ne te connais pas si je me souviens bien. Tout a changé. Donc, bienvenue à toi. Infecte et prend le contrôle. Non. Pas exactement, fils. Elle s'introduit de force dans ton esprit et ton âme. Bon film, Club Art. Juste à bien. Impossible de lutter. Merci d'être passé, c'est carrément adorable. Tu es complètement lié à elle. Et tu peux pas résister à l'envie de... Tu es quelqu'un de différent après ça. Comme Mia. Donc elle m'a envoyé ce message à cause d'Evelyne. Écoute. La petite veut juste avoir une famille à elle. Si bah écoute, merci, ça fait plaisir. À la prochaine, faut que j'aille voir aussi chez toi quand tu stream et tout. Bah. C'est vrai que je suis un peu débordé en ce moment, donc. Mais je passerai, promis. Libère ma famille. Je t'en supplie. Qui parle de la chanson de la Reine des Neiges de quoi, Eda? Evelyne, éloigne-toi de lui. Il ne t'aime pas. Ah d'accord. Je peux le pousser à terre. Je suis Ethan. Ne lui fais pas de mal. Idiot, tu savais que je ne lui ferais pas bon de mal. Bon film, Club Art. Salut. Arrête ça ou quoi? Tu n'es pas ma maman. Tu te souviens? C'est dégueulasse. Ah d'accord. Putain, le pauvre Eda quoi. Il y a toujours tes nièces chez toi, Eda là? On n'a pas le temps. Tiens, prends ça. C'est quoi? Je ne pourrais pas résister. Mia. Beaucoup plus longtemps. Non. Mia, non. Non. Mia, non. 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 Mais elles sont là toutes les semaines, du coup? J'ai pas trop suivi l'histoire. On a défoncé cette girlfriend en colère, là. C'est bon, t'as fini ton cirque? On va faire une coloc. T'es des cons d'arc. Ouais, t'inquiète, on va s'en occuper. Juste si je pouvais récupérer tout ton stuff, ce serait cool. Pourquoi? Ok, petite conne. Où tu te caches? Oui, tous les vendredis, elles sont là et mangent à la maison, mais dorment qu'un vendredi sur deux. D'accord. Il y a une raison particulière à ça, Eda? Après, si tu veux pas le dire, hein, je comprends, hein, pas de soucis. Juste ça m'intrigue. Bon, vas-y. Attends d'en finir, là. Ok, chez papy, mamie. Ouais, ok. Normal. Il a écrit quoi? Tout est de ta faute. Ok. J'ai reçu un succès. Il est Ethan, petit navire. Merci, Capcom, pour ce jeu de mots vaseux.
C'est pas ta faute. Si, si. Un hélico. Eh oh! Ouais, je me serais bien passé de nager là-dedans en fait. Des résidus de cochon là, dégueulasse. Mine de sel d'Abercrombie. Ah. Alors je veux ça. Il y a moyen de faire de la musique avec les bruitages. Ouais, grave. Les cons, putain. Les pièces antiques, on va les récupérer, on va les utiliser. Alors, de quoi on a besoin là? Peut-être du gun, du coup. Ça, on n'a pas les balles pour. Bah écoute, fais-moi une petite musique jolie avec les bruitages. Amuse-toi. Ils sont cons, putain. Bon, voilà. Déjà, les pièces. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour 3 pièces? Putain, mec boit du café à 20h quoi, n'importe quoi, il est fou, un grand malade. Merde, j'en ai peut-être pas besoin de 50 non plus. Elles sont où les balles de... Ok. Je peux faire quelque chose avec le corrosif. Tu vois pas le problème avec le du café à 20h. Peut-être pour ça que tu dors pas non plus. Ouais, est-ce que j'imagine que tu dors pas non plus. Non, le lance-flamme ça me gonfle. On va peut-être prendre un couteau. Oui, très bien. Alpha 1, avez-vous trouvé quelque chose? On a fouillé la résidence des Baker. Aucun survivant. Je répète, aucun survivant. Vas-y, prends le micro et réponds, wesh. Evelyn? Négatif. En revanche, on a trouvé plusieurs messages codés de Lucas, le fils des Baker, à destination d'un tir inconnu. Vous pouvez sûrement imaginer qui c'était. Adieu les vacances. Il serait dans les mines abandonnées au sud de la propriété. Je vais aller jeter un œil. Bien sûr. On vous retrouvera à ses coordonnées. Si vous voyez Evelyn, vous avez l'ordre de l'abattre. Je répète, abattez-la.
Ah, mais du coup, hop. Mais disons que j'en bois quand on a des invités ou quand je joue à un manga, c'est que malgré quoi être bouillotte et tout ça, je trempe une feuille à cause de mon stress. Ah là là, esprit fragile. Non, c'est pas vrai, je suis pareil, mais... Du café, tu peux avoir quelque chose de moins... De moins vénère. Je vais refaire des trucs. Ah. Il y en a derrière, non? Ok, bon, c'est à l'infini. Allez, chaud les nazes. Un pull en poil d'homme, ça réchauffe bien. Ah, mine de sel. Putain, mais la salette! Putain, il m'a fait perdre tellement de munitions, ce fils d'homme. En scalp. En scalp de nièce. Ah. J'ai l'air de prendre ça. C'est vrai qu'on l'a pas tué. C'est vrai qu'on l'a pas tué, le frérot. C'est qui est apparu? Voilà. Disparu. Disparu. Il me reste quoi comme heal en fait? Il m'en reste 4. Oh, ça va. Tout bien. Oui, avec toutes les pièces, ça rappelle un peu. Bah ouais, grave. Je pense qu'il va revenir ce petit PD. Ouais, j'avoue. Putain. Munition de 44 mag. J'ai ça, moi. Oh. Pas mort. Putain. Ah, c'est le moment de recharger, tiens. Il est toujours pas mort, c'est une blague. Putain. Et on se calme avec ce genre de langage. Quel langage, fils de pute? Ouais, je m'en fous. Ça va direct avec ton point de stress. Putain, j'ai pas beaucoup de balles de fusil à pompe en fait. Vas-y, je cours. Sauf que y a pas de sortie. Non mais what the fuck? J'aime bien vous faire péter comme ça.
Non mais... Mais c'est une blague! Bonne soirée, Leta. Je sais pas ce que tu vas faire, mais passe une bonne soirée. Merci d'être passé, en tout cas. Ça fait plaisir, encore une fois. Et ouais, il était hyper tanky, on est d'accord. Hein. J'ai pas rêvé. Faire à manger, monsieur vient de rentrer. Putain, il rentre tard. Je sais pas ce qu'il fait dans la vie, mais il rentre très très tard. Je trouve. Tu pourrais faire à manger avant qu'il rentre, hein. Franchement. Non, les femmes de nos jours. Bon. Information, il finit à 19h et je le fais d'habitude gros vilain, mais là je fais un sandwich au four, ça dure 5 minutes. Ouais, toujours des bonnes excuses de toute façon. Tu me feras pas gober ça, l'état. Ah, putain, j'ai failli me le prendre celle-ci. Informaticien. Ah, elle a explosé, ok. Le mec, ça devient un singe quand il trouve de l'herbe, quoi. Oh. Ciao. Et puis elle a le meilleur excuse pour pas l'avoir fait. Ouais. Oui, c'est vrai qu'elle était sur le live, du coup. Je suis tellement passionnant que... Je comprends, tu vois. Grâce à vous, ça fait environ une semaine que j'ai repris mes esprits et que je suis redevenu normal. Et pourtant, elle croit encore que je... Et pourtant, elle croit encore que je lui appartiens. Vous devez vraiment trouver un moyen de réparer ça. Non seulement elle a l'apparence d'une gamine, mais elle en a aussi le QI. Maman et papa sont toujours complètement sous son contrôle, par contre. Cette obsession pour la famille, c'est un truc que vous avez programmé et c'est un peu à chier. Cette connasse de Mia est encore quelque part entre le monde merveilleux des vies et la réalité. Connasse de Mia. Elle a tendance à devenir sacrément violente, donc je l'ai enfermée dans une cellule. Je pensais qu'Evelyne se mettrait en rogne vu que Mia est sa petite favorite, mais elle a l'air de s'en foutre. Qui c'est qui a écrit ça? Elle pense que Mia et sa maman, je vous l'ai dit, votre arme biologique laisse sérieusement à désirer. L'obsession d'Evelyn pour la famille devient incontrôlable. Elle pousse tout le monde à kidnapper de plus en plus de pèlerins dans la rue pour les ajouter à son musée des horreurs qu'elle appelle famille. Peut-être qu'elle en a marre que Mia ne l'écoute pas, mais ça fait chier parce que c'est toujours moi qui dois nettoyer le bordel à chaque fois qu'on a de nouveaux arrivants. Au fait, il y a un problème avec l'apparence d'Evie. Sa peau devient toute ridée et elle commence à avoir des cheveux gris. Est-ce normal? C'est comme si elle vieillissait à vitesse grand V. Bah si, c'est la connasse de Mia. Cette connasse de Mia. C'est écrit première ligne. Mais du coup, ça a été envoyé par qui, ça? On ne saura pas. Infection report. Administration de la nécrotoxine sur un cobaye de série E. 10 minutes après administration. 12 minutes après administration. Classification. Ok, le gros bordel, quoi. Nécrotoxine détruit. D'accord. Donc ça c'est pour buter Evelyn. Détruit les tissus de n'importe quel sujet basé sur le modèle d'arme biologique de série E. À utiliser uniquement pour détruire des ressources de série E.
La toxine doit être stimulée avant utilisation pour se faire placer un échantillon de cellules de série E. Ok. C'est exactement ce qu'on vient de faire. Non, tu arrêtes. Oh, c'est long. On lit pas. Hein. Putain, c'est intéressant quand même. Deux heures et demie avec tout ça. Ce qui différencie ce projet des armes conventionnelles, c'est sa faculté à convertir les combattants ennemis en alliés, transformant ainsi des éléments hostiles en dociles serviteurs, réduisant de manière significative les coûts non seulement liés aux armes, mais aussi au combat en tant que tel. Il n'est pas étonnant que ce projet ait attiré le gouvernement et même l'organisation de je sais pas trop quoi. Espèce vicariante de fungus remarquablement avancé que l'on appelle communément métamycète. Méthode de fabrication des armes biologiques consiste en l'introduction du génome de métamycète dans un embryon humain au stade 4, puis sa culture dans un environnement contrôlé sur une période de 38 à 40 semaines. Les organismes de résultance sont appelés spécimens candidats et notés selon leur utilité et des inexploitables ou défectueuses, série A à D jusqu'à la série E, exemple de défaut. Toutes ces armes biologiques ont en commun leur apparence, celle d'une petite fille âgée d'une dizaine d'années, et ce pour intégrer aisément des populations urbaines ou des groupes. Baptisée Evelyn est capable de sécréter le du mutamycète à volonté via des tissus, via ses tissus. C'est également à souligner que le mutamycète d'Evelyn exerce une emprise redoutable sur le corps et l'esprit de l'hôte dans lequel il s'introduit. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur le mécanisme permettant à Evelyn de prendre et de garder ce contrôle, mais l'hypothèse la plus crédible est que le vecteur est semblable aux auto-inducteurs impliqués dans la quorum sensing chez les bactéries de type pseudomonas. Voilà, il y a trop de mots compliqués là-dedans. Contrôle des lignes s'effectue en plusieurs phases. Ok. Traumatisme engendré contribue à la chute des barrières mentales de l'autre. Permettant à Evelyn d'achever son conditionnement psychologique. Lorsque le contrôle est total, l'infection du mutamycète gagne toutes les cellules du corps jusqu'à ce qu'il soit. Truc mûche. Ok. Zut, j'en ai marre de lire des trucs, putain. Mycélium. Thermogénisme est issu de là, son acceptation étendue. Il s'agit en réalité de super-organismes formés par une infinité de mycéliums. Ce qui est important en revanche, c'est que ces organismes ont un instinct de survie très développé et ont tendance à réagir avec férocité à la moindre agression. La résistance caractéristique du fungus couplée à une force extraordinaire leur confère un important potentiel en combat. Les chercheurs ont appelé ces super-organismes mycomorphes. Du grec mycofongique et morphomorphe. Ok, donc le sérum tue forcément un infecté. En explorant les potentiels du sérum, nous avons découvert que si on soumet à les effets sont alors décuplés à l'extrême. D'un autre côté, il se peut aussi qu'elle veuille simplement compenser un manque affectif lié à sa croissance en captivité. Ah, tu m'en diras tant. Bon, allez. Désolé, ça reste intéressant, même si c'est hyper long. Oula. Eh ben... Ah, les stéroïdes, ça me pète les couilles en vrai. Lance-grenade.
il me donne des grenades, quoi. Faut que je le charge, par contre. Bon, ça sent le gros boss, hein. J'aime pas du tout les grands espaces comme ça. Pratique ça. Oula. Ah. Pourquoi tu chantes ? Arrête de chanter! Elle a arrêté de chanter. Putain. Mais crève! J'aime pas du tout. Putain de ta mère. Ah. Merde. Il avait cru qu'il allait pouvoir esquiver. Ah, il est pas mort. Je dois te courir là. What the fuck? Il y en a deux. Pas mort, putain. Eh ben merci le lance-grenade, hein. Encore une fois. Recharge, putain.
faut que je monte là-dessus. Faut que je passe là. Super. Super. Enfin, encore des munitions de mitrailleuse. Ils sont cool, putain. Ils m'en ont donné beaucoup en plus. Non, on est vraiment revenu ici là. Putain, on est vraiment revenu dans la maison du début quoi. Délire. E001. Ah oui, c'est vrai, on avait déjà vu cette photo. Si le téléphone sonne. Quel taré, putain. Ça c'est fort possible. Pourquoi je vois tout ça ? Putain, elle m'a fait peur encore. Ça va aller, c'est moi. Je sais que tu ne voulais pas blesser. Tue-le, maman. Mais t'aurais pas dû faire ça ! Ça fait putain de mal ! Il ne veut pas être mon père. Eh bien, qu'il meure. Sale pute. Maintenant, c'est au tour de maman de te tuer. Putain, je te déteste. Tu vas devenir l'un d'entre nous. Et peut-être qu'alors tu voudras bien jouer. Non, je te déteste. Je ne joue pas. Éloigne-toi de moi! Pourquoi tu lui as montré en fait? Je vais jouer. Putain. Oula. Putain de sale. Elvin ne vous laissera pas l'approcher, vous devez vous protéger contre ses attaques si vous voulez lui injecter la nécrotoxine. Ouais, ok. Ok. Je me protège juste comme ça, là?
Bah ouais, mais... Faut que je passe, en fait. Allez, on en finisse là, putain. J'en ai marre de cette game. Et ouais. La petite vieille. Pourquoi est-ce que tout le monde me déteste ? Parce que t'es moche ! Putain, jusqu'au bout, elle va nous faire chier. Hein. Elle crève juste, en fait. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Voyons ça. Voyons ça. Sale fausse. What the fuck? Oh là là, mais what the fuck. On a mis le retour. Putain, mais le délire quoi. Oh là 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 là. Pourquoi il se lève pas sinon? Aïe 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 ouille. Oh putain, c'était pas censé la tuer sinon la nécrotoxine. Albert 01. Qu'on l'aime la peau. Ouais mais bon. Pas besoin d'être complètement taré. Hein. C'est bon, c'est fini. Maintenant c'est la nature qui l'aime. Bon, j'ai eu 3 succès, ça veut dire que on peut se mater la petite cinématique de fin.
son genre. Mon nom est Redfield. Évidemment que c'est Redfield. Content de vous avoir trouvé. Pourquoi vous avez mis tout ce temps ? Grave, pourquoi vous avez mis tout ce temps ? Putain. Putain, le bordel. Ouais, c'est ça. Je t'embrasse très très fort. À très vite. Adieu. Il était sur le live aussi. Putain, il est cool. Ah là là. On dit que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Eh bien, une porte s'est fermée ce soir. Waouh. Cette nuit aura été longue. Mais pas seulement pour moi. C'est vrai que ça a duré qu'une nuit, en fait. Ils ne sont pas les seules victimes ici. Les Baker l'étaient aussi. C'est cette chose, Evelyn, qui les a rendus comme ça. Mais maintenant, Evelyn n'est plus. Et ces types sont là pour faire le ménage. Et quand on y pense, je me tais. Je vais lui parler après. Mais il a fallu que je la perde à nouveau. Et pour moi, désormais, toutes les portes sont fermées. Resident Evil 7. Elle ouvre cette chanson, mais je kiffe. Ouais, non, par contre, la bouffe et tout, je pense. Passer la cinématique. Ouais, voilà. 8 heures de jeu. Mister Everywhere. On a plutôt bien joué. Hein. Accès au coffre 39. Ok. Ouais, j'ai bien aimé aussi. Les secrets de l'autodéfense. Maintenant, il y a les DLC. Contenu extra. Alors, il y a quoi dans les contenus extra ? Vidéo interdite, récupérée dans la ferme des Baker, ces vidéos n'ont jamais vu le jour, jusqu'à aujourd'hui. Elles révèlent les tragédies dont ont été victimes et prisonniers des Baker. Ok, par un héros. Chris Story. Combat d'État est terminé, c'est maintenant au tour de Chris Redfield, héros de la lutte contre le bioterrorisme, de passer à l'action. La fin de Zoé. Ok. Eda, tu connais un peu les DLC de RE7 ou pas ? Tu connais rien du tout. J'ai l'impression que ces deux-là ne seront pas... n'ont rien à voir avec l'histoire en fait. On va les faire dans l'ordre.
Je pense que dans un petit quart d'heure, je vais arrêter. Mmh. 49. Survivre jusqu'à l'aube en fabriquant des armes et des pièges. Est-ce qu'il y a vraiment un réel intérêt scénaristique en fait? Je vais chercher vite fait parce que j'ai un doute. Hein. Ah ça peut être intéressant. Je pense que je vais rien commencer ce soir. Faut que je fasse des petites recherches Resident Evil. Du vomi physique. DLC. Bon, on va voir ce que ça donne. Malgré ses efforts, Clancy ne peut pas échapper à Jack. Celui-ci le traîne de force dans l'escalier et le jette au sous-sol. Alors qu'il tente de s'échapper de cet endroit à l'air irrespirable, Jack claque la porte et dit « Un peu de patience, tes nouveaux amis vont arriver. » Ouais, je sais pas, désolé, j'ai mal lu, j'ai lu un peu vite. Brave Camamon. Ok, j'ai pas eu le temps de lire. Oh, où suis-je ? Ok, ça commence. Blague, hein. Donc on est un des mecs qui était venu pour faire un film. Survivre jusqu'à l'aube. Ouais, non, c'est pas intéressant en fait. Ben, je pense que c'est juste un survival. Et que ça n'a aucun intérêt. Ouais, non, ça m'intéresse pas. Ça, voilà. Là, on voit qu'il y a un truc. Clancy se réveille dans les draps couverts de moisissures attachés au lit d'une chambre lugubre, mais que le chemin ne fait que commencer. Cette femme l'a attrapé et elle est bien décidée à lui faire goûter au plat nauséabond qu'elle a mijoté. C'est pareil, ça m'a l'air d'être juste un mini-jeu, en fait. Faudra que je regarde. Je pense que je vais rien commencer ce soir. Parce que... Ouais, c'est pareil, j'ai vu des vidéos sur ce truc. Juste se barrer, quoi. Bien dormi, mon grand? Ta gueule. La petite t'aime beaucoup, tu sais. Je t'emmerde. Elle veut que tu sois son grand frère. Je sais que tu meurs d'envie de la voir. Mais chaque chose en son temps. Si tu veux faire partie de la famille, tu dois manger comme la famille. Mmh. Mmh, ça sent bon, n'est-ce pas? Pas ouf. Allez, mange ça et tu pourras être l'un des nôtres. Je t'enlèverai ces trucs et tu pourras sortir jouer. Mais d'abord, tu dois tout manger. Waouh. Ça... Ça a l'air... Quelle belle gueule, celle-ci. Vraiment? Ça a l'air... bon? Oh, tant mieux. Je reviendrai te voir dans un petit moment. Attendez. Y a rien d'autre à manger? Tu n'as besoin de rien d'autre. Ok. Alors bouffe ta putain d'assiette! Ça marche. Je dois faire quelque chose.
bon? Ouais, c'est ce que j'ai, c'est ce dont j'ai l'impression aussi. Dégueulasse. Ouais, bon, je regarderai s'il y a vraiment un intérêt scénaristique à faire ce mode. Désolé les mecs. Mange, mange, mange. Jouez votre vie dans ce jeu de cartes extrêmes. Ça, c'est pareil. Est-ce qu'il y a vraiment... Vas-y, fais voir. Traquez Père des Baker quand il se précipite dans le premier bâtiment ouvert à l'intérieur. Ouvert. À l'intérieur, des mannequins glauques, des murs barbouillés de peinture blanche. Le repère du parfait psychopathe. Non, c'est pas rigolo le vomi, Eda. Qu'est-ce que c'est? Ah, bonjour. Ah, d'accord. Eh ben non, c'est pas le frère du coup, Eda. C'est quoi le but du jeu? Eh, il a dit qu'il épargnerait le vainqueur. Qui es-tu? T'en penses quoi? Tu crois ça plaît? Et maintenant, il est temps d'expliquer les règles du jeu. Vous connaissez le blackjack, pas vrai? Vous tirez des cartes en essayant d'obtenir 21. Mais si vous dépassez 21, alors... vous perdez. Attends, c'est quoi cette connerie? Allez, c'est une blague, c'est ça? Ok, Clancy, mon pote, tu commences. Tire une carte ou reste avec ce que t'as déjà. Vise 21. Tu sais quoi? Shit. Ok, Hoffman. À ton tour. Les cartes sont numérotées de 1 à 11. Pas de double. Et vous partagez le même jeu. Coupe, coupe. Vous partagez le même jeu. Je vais rester. Je reste. Ok, montrez vos cartes, messieurs. Le vainqueur. Putain, c'est un sacré jeu, hein?
Wow. Deux doigts d'un coup. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, je pourrais peut-être en reprendre une de cartes, là, quand même. On est à 11. Loser, loser, loser. Carte ? Putain. Je reste. Il peut pas avoir plus que moi, là. Ah, moi... Ah, quand même. Quand même, quand même. Je reste. Ah, je sais pas. Hein. Ah non, parce que c'est moi qui ai le 8. Je vais rester. Le vainqueur. Putain. J'ai oublié qu'elles allaient de 1 à 11. Je suis un débile. Allez, on enchaîne, les gars. La prochaine, et tu pourras dire adieu au plaisir solitaire. Il est con, putain. 8 et 8, 16, mais putain. Ah non, 8 et 9. Putain, mais s'il a un 11, je suis dans la merde en fait. Là, il me faudrait un 4. Je vais rester. Je reste. Le vainqueur. Yes. J'aime bien comment il saute les doigts. C'est bien pour finir un stream, ce petit jeu, là. Voilà. 13. Je reste. Carte. Je reste. Combien il peut avoir ? J'ai la 11. Donc au max. Au max, il a 17. Je vais rester. On est d'accord. Le calcul est assez simple. Allez, tcho. Maintenant, tu vas me laisser partir. Vous en pensez quoi de cette idée de faire ce petit jeu là à chaque fin de stream? On s'amuse encore un peu. Non, je dois retourner auprès de ma famille. Encore une partie. Ça, c'est l'esprit du sport, Hoffman. Désolé, Clancy. Je crois qu'on va faire une autre partie. La gueule. Qu'est-ce que... Hé ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Ouais, deux doigts plutôt. Wow. Voilà. Juste une petite surprise que j'ai préparée pour l'occasion. Aucune idée de ce que c'est ? Cette carte est sur la table, miss de votre adversaire augmente de 2.
Ok. Vous tirez la carte 6, si elle n'est plus dans le sabot, rien ne se passera. Vous voyez ces cartes ? Celles-là sont spéciales. Ah oui, d'accord, ok. Ça commence à devenir compliqué. Vous pouvez en utiliser une pour retourner la situation. Carte. Oh putain. Donne-moi une carte. Il a 36 là du coup. Je vais rester. Du choc. Je vais rester. Le vainqueur Hoffman. Zéro. Chut. 18. Putain. Donne-moi une carte. Ah, lui, il est mort. Chez moi. Je vais rester. Ah d'accord. Yes. Je vais rester. Je reste. C'est intéressant ces atouts là. Attends, s'il a 21, je me tire une balle par contre. Ah ouais, bah avec nous c'est parti du coup. J'aimerais bien faire au moins une quoi. On enchaîne. Attends-moi chérie. Papa va gagner. Yes. 6, 8, 14. Carte. Je reste. Putain, s'il a 21. J'ai trop le seum. Sinon, il est pas en train de se vider de son sang de ses doigts, le mec. Renvoie au sabot la dernière carte visible tirée par votre... Oh, c'est pas mal ça. Ok, 14. Carte. Oh putain.
Oula. Je vais rester. Non. Merde. Chut. Je reste. Je me suis planté de boutons. Bah, je voulais utiliser le x2. Avoir le 1, genre c'est pas possible en fait. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Hein. Ou je fais ça et je... Allez, vas-y. S'il a le 1, je ferme le jeu. Merci. Allez. Allez, tchou. Il est mort. C'est bon, t'as eu ce que tu voulais. Alors dis-moi que c'est fini. Ok, Clancy, t'as gagné à la loyale. Je te laisse donc. Hein? Ça alors, c'est dingue. Regarde Hoffman. Hoffman, je te donne la forme. Je suis prêt pour un autre. Mais vas-y, c'est long, putain. T'as entendu? Putain, Hoffman, toi, t'es un champion. Mais j'ai plus le temps, en fait. On va faire une autre partie. Putain, mais c'est quoi ton problème? T'as même promis de me laisser partir. Hé, espèce d'enfoiré, réponds-moi. Père, dispense-toi maintenant. Je voudrais inviter une vieille amie pour notre grand... Oula. Oh putain. Voici la distance, putain. Ouais, je referai ça une autre fois. Et voilà la distance pour laquelle on joue. T'as qu'à dire que c'est un massage du genre. Ah, massage shiatsu. Parce que ce sera le dernier massage de ta vie. C'est à toi de jouer. Tu prends ton pied, Arthur. Thank you.
Attends, je tente. Je vais rester. Je t'emmerde, putain. Je te merde. Donne-moi une carte. Je vais rester. Je reste. Je vais rester. Ok, rentrez vos cartes, messieurs. J'ai 21. C'était obligé. Égalité. Égalité. Oubliez cette manche. On recommence. Allez, je quitte. Merci les mecs d'être restés jusqu'au bout. J'apprécie beaucoup votre soutien indéflectible. Et puis bah, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis on se retrouve, je pense, plutôt demain soir pour un live sur Shattered. Un petit live chill, un peu tardif et tout. Genre nickel pour aller se coucher. Amusez-vous bien ce soir. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.